Alors, pardon, dans quelle catégorie tu t'es défini exactement? Voilà, aujourd'hui, là, il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que vous guettez depuis longtemps. Je suis créateur de contenu digital. Je ne suis pas blogueur de vidéos. C'est quoi ta collage vidéo là? Ah, mais c'est quoi vous faites là, c'est collage de vidéos? Justement, c'est un talent. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Je ne fais pas collage de vidéos. Attends bien ma soupe. Je suis créateur de contenu digital. Enlève-moi dans mon groupe de blogueurs, influenceurs, vlogueurs, marmites, torchons. Attends, toi, tu n'as pas de ça ici. Apparemment, il y a un problème avec cette collègue. Attends, j'ai dit ça. Toi, t'as pas je n'ai pas de problème avec mes collègues. Non, tu vas nous dire qu'on a qu'à t'enlever dans le groupe des blogueurs qui faisait partie de la ligue des blogueurs avec de Gina Camille Makosso. Alors, j'étais Non. J'ai été nommé en tant que président de ce truc-là. Donc, non, tu as accepté pourquoi? C'est pas le truc. Toi, t'as pas mis t'asseoir sur le plateau ici aujourd'hui. T'as dit, non, faut pas nous mettre. C'est nous, t'as mis là-bas quand t'as dit de mettre là-bas. Non, ils sont venus me voir, me proposer un poste. Non, mais t'as mis là-bas. Ils m'accusent. Laisse-moi m'exprimer. Non, moi, ils t'accusent pas. Moi, je ne dis les faits. Tu sais, dans quel coup on m'a élu président? On t'a élu. Donc, déballé. Là, tu vas nous dire de quelle façon il a été élu alors. Makosso, Yaka Yaka, le groupe, là, sont venus me voir. Ok. Bon, comme tu as une grosse communauté, en Côte d'Ivoire, ils sont le président de leur truc. J'ai refusé une fois. Oui, j'ai refusé une fois parce qu'il y a quelqu'un dedans qui était ami avec quelqu'un. Bon, nous ici, on a besoin de nous. Quelqu'un là, c'est pas. Moi, j'étais ami avec Makosso. D'accord. Makosso, son pire ennemi, était mon camarade aussi. C'est qui? On ne donne pas de nom. Ah, non. Tu as dit le nom de Makosso. Non, vous savez, dans la vie. Je n'aime pas les discriminations. Quand Dieu était au ciel, quand Satan fait ses conneries, il a fait quoi? Il a chassé, non? Donc, pour éviter beaucoup de quiproquos qui n'ont ni queue ni tête, parce qu'il y a plainte qui va sortir dedans. Donc, on va taire le nom de la personne. Mais on sait tous que. Ah, Poutou! C'est qui? C'est ton ami là. C'était. Ah. C'était. Bah. Mais ce n'est pas dans ma bouche, c'est sorti. Non, ce n'est plus ton ami. De là-bas. On n'est plus amis. On était amis, mais on n'est plus amis. Mais donc, pourquoi aujourd'hui tu dis que nous, il ne faut pas te mettre dans leur groupe là que tu n'as plus rien à voir? Qu'est-ce que c'est? Et même leur groupe, on va faire parler entre eux. Alors, il n'était pas là. Makosso et puis Yaka Yaka. Parable. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement de la ligue des blogueurs que Makosso avait créée? Ça n'existe plus? En tout cas, tout est gâté de chez gâté. Mais si tout est gâté. Le président clash le président d'honneur. Ça veut dire qu'il y a un Belzébuth au milieu de vous là-bas. C'est lui qui crée tout ce problème-là. À ton avis, c'est qui? Est-ce que c'était pas toi? Tu me demandes? Oui, parce que c'est toi qui étais le président. Il était le président des blogueurs influenceurs de la Côte d'Ivoire. Bon, à titre péjoratif, si tu veux. Okay. À ça, titre péjoratif. Voilà. Okay. Ouais. Mais je n'ai jamais pris fonction parce qu'il y avait tout le temps des guerres. Ah, donc, tu n'as pas pu t'asseoir même pas, il n'a même pas exercé. Fauteuil même, les maçons, ils ont enlevé en bas de moi. Parce qu'il y a trop de palabres. Alors, Bavado, pourquoi tu appelles le moulin papa dans 400 millions? C'est bien, il aime l'argent. Ouais, il aime l'argent. Comme toi, tu n'aimes pas l'argent. J'espère que tu ne prends pas l'argent avec tes dents comme Poncho le gâté. Hein? Non, pas de lui, c'est un voleur, c'est différent. Poncho, quand tu poses question, n'a pas l'argent, il s'énerve. Quoi, il crie? Non, on ne crie pas. C'est posé tranquille. C'est pas c'est important de partir à l'école là. C'est ça, on parle. Donc, donc tu veux dire que Poncho, c'est un analphabète? Il n'a pas fait les bancs? Il a fait quel banc? Poncho, s'il a trop niveau CM2, il y a un master 2 en droit et sciences politiques, s'il vous plaît. Non, amusement, après. Hey. Non, tu es en train de dans les codes de Poncho. Mais il nous dit la vérité. Je suis pas d'accord. Mais ce qu'il dit là, il sait qu'il pense ça de lui. Il a niveau CM2. Parlons de l'affaire de Dubaï où Edoxiva là. Hein? Elle était à Dubaï. Elle dit qu'elle est partie en business class. Faites toi à moi, Edoxiva, elle chante quoi pour partir en business class? Ça nous a demandé. Ça nous a demandé ça. Ça fait combien d'années? Elle a combien de chansons pour commencer? Elle a deux chansons. Deux? Oui. Et voilà. Donc avec deux chansons. Tu vois, elle s'est cachée, varie de 10 000 à 15 000 euros. Elle nous a dit, elle a dit ça. Dans quel pays? Mais Dubaï, c'est là-bas son maître enchanté. Je n'ai jamais assisté à ces personnes. Tu as déjà conseillé de Doxy à Dubaï. Et Doxy, moi, il l'aime beaucoup, hein. C'est ma soeur. Bah, tu peux pas venir nous dire que tu connais pas ce son de Doxy. Toi, tu connais au moins. Pourtant, c'est ta soeur. C'est mon morceau. Et Doxy, c'est ta soeur, comment? C'est fini. Elle s'est cachée de 15 000 dollars. Pourquoi même? Mais pour une chanson que tu connais là. Donc, depuis 1940. Une chanson. 1940, quoi. Concert, tu n'as pas fait. Showcase, tu n'as pas fait. Mais faut taper Google et Doxy au répertoire musical. Ils vont te dire erreur 424. Aïe, ya. Bon, elle fait concert là. Concert là, c'est sur YouTube. Au moins, c'est sur YouTube. On peut regarder. Demandez-lui d'envoyer les maquettes. Bavado, tu es un premier dossier en jeu. Non, vous me dites, moi je dis la vérité. Hein. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que Doxy et toi, ça va en ce moment? Vous vous entendez très bien ou il y a un problème? Il n'y a pas de problème, c'est ma soeur. C'est que si moi je peux vous dire. Quand on dit les de nos amis. Son affaire de Dubaï, elle s'en va là. C'est l'homme qui paye. Ah, c'est garçon qui paye. Garçon qui paye. Mais Edossi a dit ici que elle, garçon, paye pas ses pieds, que c'est pas quelque chose. C'est faux. Elle dit qu'elle a des terrains, qu'elle est en train de construire des maisons et tout ça. Oui, bien sûr que oui. Mais affaire de où elle s'en va à Dubaï, que c'est le mec qui paye là. C'est faux.
Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.